C'est mon premier verre d'alcool en quelques années, je sais plus. Avec modération, les amis. Je crois qu'on va se régaler et on va pas s'amuser à compter les calories. Comme dirait Marco, on n'est pas là pour compter des lentilles. Toi, c'est direct le fromage. Il y a tellement de choses. Bon gigot. Bon premier repas. J'avais pas vu les pizzas. Je l'avais pas vu celui-là. Du coup, je suis obligé de le goûter. Je suis obligé celui-là. Enfin, le soleil revient. On arrive au solarium, piscine intérieure. Je vais pouvoir éliminer en partie les surplus de nourriture. Il est bien équipé. Première fois que je fais rien, ne rien faire, se détendre, ça m'était plus arrivé depuis des lustres. Bon, ici, il y a à manger partout, dans tous les coins du bateau. C'est clair, en 4 jours, je vais prendre 10 kilos. Non, mais là, les encas, c'est bon. Je mange pas d'encas, je mangerai que les repas principaux. Et on se fait plaisir. Pour revenir encore plus fort après. Alors là, la boutique Ben & Jerry, même sur le bateau, ils ont pensé vraiment à moi. Alors, t'es inspiré? T'as pris quoi? Des escargots. Un petit cocktail de crevettes. Thank you. Bon, on enchaîne par des lasagnes. On va se régaler. Alors? Moi, j'hésite. Entre le Royal Chocolate Cake et le chocolat soufflé. Bon, la partie la meilleure du repas, comme toujours pour moi, c'est cake au chocolat et soufflé au chocolat qu'on va se partager tous les deux. Le gros gourmand. Bon, ben on se regarde un petit film pour digérer. You get that I don't work for suits. What makes you think I'm gonna work? Dur le réveil, on va aller à la salle de sport.
Pour éliminer un petit peu tous les excès de la veille, j'ai fait une séance de dos et de jambes. Donc vous allez me dire pourquoi dos et jambes. Bah, déjà j'ai fait déjà tous les groupes musculaires cette semaine, donc c'était juste un rappel. Et puis ce sont deux gros groupes musculaires qui sollicitent beaucoup de muscles à la fois et beaucoup d'énergie. Donc c'est l'idéal. Et pour moi j'ai commencé par des tractions et notamment des tractions prises serrées. Donc accentuer le travail sur l'épaisseur du dos, donc ce qui me manque un petit peu. J'ai fait donc 5 séries et ensuite il y avait une super machine aussi pour le dos que j'ai bien ressenti, donc en prise inversée aussi. J'ai fait 5 séries de 20, donc pareil où j'ai essayé de cibler le maximum le milieu du dos et l'épaisseur. Et ensuite j'ai fait les jambes, donc j'ai enchaîné du leg curl avec du leg extension. Leg extension avec du leg curl assis, pareil en série de 20, 5 séries de 20 pour chaque exercice. Et ensuite j'ai enchaîné avec du hack squat, 5 séries de 10 pieds serrés, 10 pieds écartés, donc 5 séries de 20 aussi. Et j'ai fini par quelques fentes et du HIIT cardio, 15 minutes, donc une alternance de 30 secondes de sprint et 30 secondes de marche rapide pendant 15 minutes. Donc voilà, super séance quand même. Et là, regardez, on vient d'arriver à Coco Cay, donc une île perdue en plein milieu des Bahamas. On vient juste d'arriver, regardez ça les amis. Et on va aller visiter aujourd'hui. Mais avant tout, petit déj. Avant de commencer le parcours. Merci. Allez, c'est parti. Un petit parcours dans la nature. On va voir peut-être des animaux. Il fait meilleur. Ça, c'est beau. Allez, avance. Bien sous les cocotiers. Mmh.
superbe journée à Coco Cay, prêt à repartir sur le petit bateau là-bas derrière. Il est grand en fait, j'avais pas vu aussi grand. T'as gagné quoi? 10 fois jouer gratuit. Attends, mais t'as trop de chance ou quoi? On va tout commencer. Ça va pour toi? Oui, j'ai envie. On a gagné $60 en 10 minutes. En 10 minutes. Il y a à manger partout sur le bateau. Regardez-moi ça, il y a encore des gâteaux partout. La volonté. Ça a l'air toute petite. Je suis toute petite. T'es passé juste au-dessus.
verres comme ils sont énormes. Voilà. Mais c'est pas possible, il me suit. Ils me suivent, Ben & Jerry's, en français. C'est les Nurse Shark. Il est trop beau. Tout acheté. Pas une trace. Ah non ! Ouais, d'accord. C'est bon, quoi. C'est quelques jours de vacances bien méritées après l'enchaînement de ces compétitions, ces semaines de restrictions caloriques et ces entraînements intenses. Ça fait vraiment vraiment bien fou et ça rebooste à bloc, ça recharge toutes les batteries pour certainement ma prochaine compétition qui aura lieu fin juillet. Donc là j'ai certainement repris un peu de poids et peut-être un peu de gras et beaucoup d'eau pendant ces quelques jours, mais c'est pas grave, je vais les reperdre très rapidement en m'y remettant bien. Donc je vous conseille aussi pour ceux qui font des diètes de plus de 3 mois assez restrictives de prendre une semaine où vous remontez vos calories, du moins à vos calories de maintien. Faites-vous plaisir aussi pendant cette semaine-là pour vous ressentir, pour repartir à nouveau. Okay, à très très vite.